Un chrétien peut-il ne pas prier pendant toute une journée? Un chrétien peut-il ne pas prier pendant toute une journée? Est-ce qu'un chrétien capable passer une journée sans ne pas prier? Est-ce qu'un chrétien capable passer une journée sans ne pas prier? Bonjour, bonsoir, salut. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit à côté, n'abandonne pas d'enseignement ça comme d'habitude et comme toujours. C'est enseignement ça qui un peu sermonnaire. Ça veut dire son enseignement qui à la fois yon enseignement et qui yon prédication. Ça veut dire y a des gens qui pral fâcher avec, il y a des gens qui pral un petit gens fâché, il y a des gens qui pral un petit gens boudé. Donc nous connaissons l'évangile là, c'est comme ça la parole là dit ça. Dans Jean 6, il est clair. Donc disciples qui t'a pral quitter Jésus, le Jésus t'a t'es fini dire au papa li bon gen tan konnen ki est-ce qui quoi qu'est-ce qui pas quoi. Donc yo tellement trouvé ba Jésus t'as dur t'es dur, et bien yo t'es obligé finalement yo dit bon parole ça yo dur hein, l'évangile là dur, qu'est-ce qui qu'attendait nous? Ça veut dire balay comme ça li le plus souvent l'enseignement ou plus ka jeune ou plus ka jeune moun ki zanmi ou l'enseignement yo que prédication. Et bien entendu prédication qui doctrinale, c'est pas prédication qui est exhortative mais qui est doctrinale. Ça veut dire prédication qui est exhortative là, monde plus rit, il plus gain blague là-dedans, vous comprenez? Donc qui pas biblique. Et donc qui pas biblique. Et ceci et c'est ça l'évangile là et c'est une raison qu'il faut dans Jean 6, Jésus gain 70 disciples qui virent de Bali. Donc, il y a en tout 82 disciples. Ça veut dire, dans 82 disciples, nous retirons 70 disciples et nous retirons 12 apôtres. Ils même ont été choisis. Et puis, 70 disciples qui étaient venus joindre, que lui même n'a pas choisi personnellement, eh bien, ils étaient tous venus de Bali. Donc, dans Jean 6. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que fait me dit nous, on connaît des monde là, des monde qui pral et parce que balay comme ça lié. C'est comme ça balay, on dit balay on dit en créole en Haïti. Et comment on dit ça encore, vérité blessée, vérité a blessé. Donc depuis c'est vérité blessée. Donc là parler de voler et si mon n'a pas volé, bon il doit même applaudir. Il ca encourage au parler de voler. Mais depuis lui même ni qu'on volé et c'est sûr que la boudé ou même elle pas boudé, pas nous comprendre mais dans quel il pas content vraiment, il pas content. Voir pour ta bon petit mot d'encouragement, bien que c'est pas ça l'évangile là. L'évangile là pas besoin de mots d'encouragement etc. Donc c'est l'évangile. Si vous pouvez gagner ennemi ou peut pour monde pas fâché avant ou pas enseigner la parole ou pas enseigner la bonne nouvelle ou pas prêcher la bonne nouvelle. OK, donc nous tout mettez nous en garde, pas gagne problème à monde qui pas fâché avec. Donc je dis à là et enseignement pas pur enseignement li à la fois yon enseignement et yon prédication. Est-ce qu'un chrétien peut-il, donc c'est le titre de la leçon, un chrétien peut-il ne pas prier pendant toute une journée? Est-ce qu'un chrétien ne doit pas prier pendant une journée? Donc on regarde d'abord rapidement et qui ça un chrétien. Chrétien dans terme grec là c'est Christos qui signifie comme Christ. Et c'est Christianos en latin, et ce terme-là c'est Christianos, mais en grec c'est Christos pour la nouvelle alliance qui signifie comme Christ. Là on dit comme Christ, ça veut dire c'est marcher tant que Christ, imiter, chercher, imiter Jésus dans toute sa affaire. Donc parler tant que, agir tant que, comporter tant que, etc. Donc ça veut dire Jésus lui-même, selon la Bible, Jésus te compte prier sans cesse. Jésus te compte prier sans cesse, selon la Bible. Donc, au départ, la réponse maintenant à la question, ce n'est pas non, parce que non, trop faible, est impossible. Donc, yon chrétien sanctifié, selon la Bible, yon chrétien sanctifié, pas qu'à faire une journée pour ne pas prier, ou pas qu'à lever pour faire un jour, pour passer toute une journée, hein, ou lever depuis grand matin, ou faire toute journée, arriver juste à soir, ou à dormir sans pas prier. Non, ou pourquoi chrétien? Permettez-moi de dire ça, ou pourquoi chrétien? Donc, je ne sais pas pour qui est enseignement ça, je ne sais pas à qui est ce que je parle, mais c'est sûr que le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas ça que je vais enseigner, je dis,
Mais c'est Saint-Esprit même qui mettait enseignement ça sur cœur ma toute prédication ça. Donc c'est sûr que li gen met li. En cette parole ça gen met li. Ou même qu'ap tande m la, quel que soit qu'ap tande m en Haïti ou à l'étranger, ou de pou comme ou a fait un jour ne sont pas prier du tout, eh bien ou poko converti, ou poko chrétien. Ou poko chrétien. Ou gen doit un moun l'église, mon poko chrétien. Ou ka un protestant. Mon pas chrétien. Il y a une différence entre protestant et chrétien. Ou quand un protestant, mon pas chrétien. Ou quand un pratiquant en français, un pratiquant, c'est quelqu'un qui va à l'église. Quelqu'un qui n'est pas actif à l'église. Donc c'est ça, un pratiquant. Donc ou quand on monte l'église, un pratiquant en français, ou capable protestant, un protestant, mais ou pas chrétien. Donc un protestant, et en gros, son monde qui a l'église, mais. L'église c'est pas affaire bon Dieu la l'église c'est affaire personnelle la l'église c'est ça on protestant donc si gen moun qui besoin un enseignement sur la différence entre un chrétien et un protestant donc n'a fait signe sur ça mais en passant un chrétien pas qu'à faire une journée un chrétien sanctifié qui a pas qui mettait la pas pour servir bon Dieu a propre dîme pour faire une journée sont pas prier non ou gen doit pas prier trois fois mais au moins faut prier deux fois. Au moins faut prier deux fois le lever les matins au moins même si on pas prendre quelque chose j'en pressé mais faut lire somme 3 dans matin faut lire somme 3 faut accompagner avec 53 français 54 français chant d'espérance alors 54 et c'est ça oui 54 français chant d'espérance OK 54 français lever nan moi ak soleil là commencer tâche jeudi hein. Donc faut chanter cantique ça avec somme 3 dans matin. Donc même si à midi ou pas ta gain temps, peut-être OK pas gain problème maintenant à soir avant de dormir, pas capable dire mon Dieu merci pour journée. Ou pas capable chanter 53 créoles. Un jour après coucher soleil. OK? Ou pas capable chanter 53 créoles chant d'espérance ou pas capable lire somme 4 le soir avant de dormir au moins. Donc la réponse est impossible. Donc un chrétien ou un chrétien pas capable de prier pendant même pendant une journée non ou pas capable ça pas fait ou pourquoi chrétien pour convertir pour pourquoi accepter Jésus OK cet esprit pour convaincre selon 2 Timothée 3 verset 16 cet esprit pour convaincre eh bien nous allons voir ça clairement maintenant pour l'enseignement nous allons entrer dans l'enseignement bon bagage tout en appli mais nous pas jamais comprendre en pile monde pas comprendre bien entendu en pile monde pas comprendre ça c'est l'enseignement nous allons entrer qu'on y a directement dans l'enseignement et dans Jean, alors, dans Matthieu, 20, 20, Matthieu 21, verset 13, dans Matthieu 21, verset 13, le Jésus, titre là, c'est les vendeurs chassés du temple. Les vendeurs chassés du temple. Donc, c'est le Jésus qui a chassé. Raquette yon dans le temple. Ok? Mon cap fait businessman en anglais. Mon qui parle anglais, pasteur Saint-Hubert. Donc madame Saint-Hubert également. Et bon, il y a donc mon encore connaît grand pile monde qui parle anglais sur groupe là. Donc les vendeurs chassés du temple. Dans verset 13 Matthieu 21, m'a fait lecture ça pour nous, nous même n'a fait l'autre lecture qui est un petit Jean pile long mais ça est très important, une clé. M'a fait lecture pour nous dans Matthieu 21 verset 13, Marc 11 verset 17 et Luc 18 verset 46. Dans Matthieu 21 verset 13, qui ça le dit? Il leur dit, Jésus qui a parlé à disciples, il est écrit, ma maison, alors la parole à mon bien entendu, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Soulignez bien, oui, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous avons un enseignement là actuellement. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Qui ça n'a pas soulié là? N'a pas soulié, vous en faites. N'a pas soulié, maison de prière. OK? Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. N'a pas souligné mot clé ça. Maison de prière. OK? Donc, ma maison sera appelée une maison de prière. Ouais, sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ça, c'est Matthieu 21, verset 13. Nous allons faire deuxième lecture, nous, dans Marc. On va faire deuxième lecture nous dans Marc 11 verset 17. Deuxième lecture nous dans Marc 11 verset 17, il dit
Il a parlé de Jésus et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Ça veut dire là, nous venons joindre pour toutes les nations. Marc lui-même y a ajouté, pour toutes les nations. Ça veut dire là, Marc pensait, Marc vient songer, et alors, et pas maintenant. Le Marc a ajouté pour toutes les nations, moi-même avant, là, nous rappelez-nous, et Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde entier. Ça veut dire, c'est toutes les nations, c'est pour toutes les nations. Marc lui-même l'a ajouté, il dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Rappelez-nous là, Matthieu te dit, vous en faites. Pour qui ça, non, Matthieu te dit, vous en faites? Parce que là, Jésus même a parlé dans Matthieu, c'est dans le moment sous place où on est Matthieu, chronologiquement écrit avant Marc. Donc c'est ça que fait, dans Matthieu après, et faire là, lit au temps présent, c'est pas l'indicatif présent, temps présent. Il dit, vous en faites une caverne de voleurs. Pourtant, Marc lui-même après, Matthieu, Marc vient écrit après, Marc vient après Matthieu, et bien Marc lui-même il dit, mais vous, vous en avez fait. Donc là, nous étant au passé composé. Nous comprenons ça. Parce que nous connaissons des gens qui ont prêté attention à temps verbiaux. Maintenant, on continue. Et nous allons aller dans la troisième lecture. Là, on a fait dans Luc. Luc 19, verset 46. Dans Luc 19, verset 46, il dit ça. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Rappelez-nous bien, Matthieu avec Marc te dit, ma maison sera appelée. Mais Luc lui-même dit direct, il dit, ma maison sera une maison de prière. Il va dire, sera appelée. Il va dire, n'a pris l'île. Là, il va dire, Jésus dit, il va dire, Jésus dit, Kaimouen après les en maison de prière. Il dit Kaimouen en maison de prière. Est-ce que nous là? Donc ma maison sera une maison de prière. Luc dit dans Luc 19 verset 56. Ma maison sera une maison de prière, mais vous vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc comment nous fait là? Matthieu pas dit pour toutes les nations. Matthieu avec Luc pas dit pour toutes les nations. Mais Marc précise lui-même. Matthieu te dit. Matthieu te dit, ma maison sera appelée. Ok? Luc dit, ma maison sera appelée. Et alors, Marc dit, ma maison sera appelée. Matthieu dit, ma maison sera appelée. Pourtant, Luc même dit, ma maison sera une maison de prière. Il n'a pas dit sera appelée. Luc lui-même dit, enlevé, il va appeler. Mais après tous les trois, il dit, même bagaille. Donc, mais, alors, ça. Nous avons fait un petit décodage dans un petit décodage textuel ou bien grammatical. OK, donc pour les théologiens, pour les docteurs en théologie, nous avons appris ça exégèse. Nous avons fait un petit exégèse. Dans exégèse, nous avons une interprétation, nous avons une grammaire, nous avons une terminologie, etc. Maintenant, nous allons quitter, et partie exégète là, nous allons entrer dans la révélation. Maintenant, mes choses cachées. Voilà, mais objectif et groupe là, mais objectif l'école de Dieu en Jésus-Christ qui ce groupe ça online. Voilà, mes choses cachées nous pas enseigner connia. Ça nous tape tout ça nous tape dit là ou remarque ça ou ca faire facilement sous bon en grammaire ou bon en théologie ou ca facilement. Même de juste faire nous faire remarque. Maintenant nous pas entrer dans révélation mais ça qui caché. 3 versets ça, Matthieu 21 verset 13, Marc 11 verset 17, Luc 19 verset 46, tous les trois parler ou jeune même bagala. Ma maison sera appelé, ou bien ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Maintenant, ça n'a pas souligné là. Jésus qui a parlé de ma maison. Il n'a pas parlé de ma maison. De qui ça l'a parlé? Il t'a parlé de temple. Jésus t'a parlé de temple. Le temple physique là. OK? Temple physique là, c'est de lui-même qu'il t'a parlé. Temple qui est synonyme tabernacle là. OK? C'est de lui qu'il t'a parlé. Donc, nous ne pas entrer dans l'histoire temple. Et tabernacle, etc. qu'on y a. Ça sont d'autres enseignements. Mais c'est du temple physique à ta palais, de l'entrée, etc. Et puis, jeune des autres, ça qui était rondant, ça qui a vendu corbe, cambis, etc. Ça qui a vendu pigeon, ça qui a vendu bœuf, etc. Maintenant, enseignement, c'est qui ça lié? Ma maison là, de qui ça Jésus t'a parlé, il dit ma maison. Il t'a parlé du temple là. Donc, selon la Bible, temple, maison, tabernacle, c'est synonyme. Ça veut dire, il veut dire même bagaille. Mais là, elle te dit, dans Matthieu là, physiquement, tu as parlé des temples, mais son prophétie était songée dans Matthieu 13, verset 35, Jésus dit, depuis le commencement du monde là, depuis l'ouvre bouche,
il toujours vers boucher en parabole. Matthieu 13 verset 35. Fais lecture pour moi après ça. Dans Matthieu 13 verset 35, Jésus dit depuis l'ouvert boucher, pas jamais ouvert boucher pour pas parler en parabole. Donc la Bible est parabolique. La Bible est littérale également, mais elle est plus parabolique que littérale. C'est ça que fait Deutéronome 29:29 dit les choses cachées sont à Dieu. Et pour qu'on les choses ça ou pas dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, Jésus, bon Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annonce des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Et prophète Esaïe même pour elle définir révélation pour vous. OK, la révélation des choses cachées, ça veut dire les choses les plus difficiles à comprendre dans la Bible. Eh bien, ma maison sera appelée là, Jésus t'a parlé de temple là. Il t'a parlé du temple là, physique là. Mais prophétiquement sans se cacher là. C'est qui ça les mêmes révélations. Hein? Mais tant que ça t'a parlé là, prophétiquement, c'était moi-même avec vous. C'était moi-même avec vous. À travers lui-même. Qui bon jeune parole moi dit. Moi je lis dans Jean chapitre 2. Dans Jean 2 verset 13 à 21. On a fait lecture ça pour même pas faire pour nous. Dans Jean chapitre 2 verset 13 à 21, nous pral ouais, là Jésus t'a parlé de ma maison. Eh bien, ma maison ça, il t'a parlé de moi-même avant de corps, moi-même avant de corps nous t'a parlé. C'est de corps nous t'a parlé. Ma maison sera une maison de prière. Donc si Jésus dit ma maison sera une maison de prière, ça veut dire corps nous moi-même avant comme accord, capitaine là, capitaine d'enseignement ça, c'est temple Saint-Esprit, c'est temple bon Dieu, c'est temple Jésus-Christ dans nous l'habiter. Eh bien si Jésus a bouché dit Kaeli moi-même avoir son maison de prière à pied. Vous comprenez? Temple son maison de prière à pied, eh bien ça veut dire faut toujours prier. Parce que c'est avec la prière pour nourrir. C'est avec la prière pour nourrir petit bébé à grandir. C'est avec la prière pour nourrir, pour grandir, pour onction grandir. OK? Donc là elle dit ma maison là c'est de comme moi-même avoir la parler. Mais elle me dit de comme moi-même avoir là, c'est pas directement non. On va joindre ça dans Jean, dans Jean 2, dans verset 19, là, après côté, Jésus a parlé d'étuiser ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Il dit, craser le temple ça. Temple n'a fait business là dedans, craser. Et puis dans 3 jours, je vais construire, je vais faire. Jusqu'à ce que le disciple dit, oh, on temple qui a 46 ans. Temple qui a 46 ans, il était pas 46 ans pour construire. Construit casé. Et pour même vous dire qu'on ça dans 3 jours, au carré fait, il va pas te comprendre langage. Jésus, nous connaît Luc 24, 45 dit, selon Luc 24, verset 55, si cet esprit, bon Dieu, pas ouvert l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole là, les Saintes Écritures, vous ne pas comprendre la Bible. Donc, Jésus te dit, craser temple ça n'a fait business ça dedans. Ne pas habiter dans le temple qui fait à même monde encore. Et dans 3 jours, moi-même, je construis ta plan. Mais 3 jours, ça, c'est ton langage parabolique qui te veut dire après moi, après la molle. Et 3 jours, ça, n'a pas fait notre enseignement sur ça. Je vais expliquer nous 3 qui sont 3 symbolisés. Ça, c'est notre enseignement. OK. Maintenant, dans même Jean 2, verset 13 à 21, nous parlons, ouais, maison là, il veut dire temple. Et là, elle dit caverne de voleurs. Nous parlons dans Jean 2, verset 13 à 21, caverne de voleurs là, il dit maison de commerce, ou bien maison de trafic. Jean dit non, maison de trafic, ou bien maison de voleurs. Dans Jean 2, maison de trafic, ou bien maison de là, elle dit caverne de voleurs, il dit maison de trafic, ou bien maison de commerce. Voilà. Donc ça veut dire, moi-même avoir comme moi-même avoir. Parce que là, elle t'a parlé dans Jean 2, verset 13 à 21. Fais lecture pour moi, s'il vous plaît. Jean 2, verset 13 à 21. C'est lui-même qui est plus enrichissant. Lecture ça et texte ça. C'est le plus enrichissant. Fais pour moi, s'il vous plaît. Jean 2, verset 13 à 21. Là, dans tout, n'a tout, Jésus, c'est de. L'elle te dit, craser temple ça, ma reconstruire dans 3 jours. C'est de quoi elle t'a parlé? Il t'a parlé de col. L'elle dit col. Parce que Jésus n'a pas habité dans col encore. OK? Et de tête, il t'a parlé, elle te dit ça. Il t'a parlé de tête liée en tant que chair. En tant que chair, ça veut dire, après les fins fait ascension, il monte, il retourne
dans le paradis côté le théa. Vous comprenez? Côté le théa. Mais dans l'omniprésence, dans l'omnipotence, la habité dans nous toutes, c'est quoi nous pour servir le temps. C'est ça que fait Jésus. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Jésus, c'est le Saint-Esprit, ça sont l'autre enseignement. En passant, rappelez-nous. Parce que Jésus, nous, il y a un dame même avant. Quand nous c'est templé, c'est ça qu'il ne faut pas capable de prier. Parce que corps, c'est maison de prière. Corps, c'est un sanctuaire. Voilà. Donc, révélation, l'enseignement, c'est Matthieu 21, 13, Marc 11, 17, Luc 19, 46. Le bon Dieu t'a parlé du temple, il t'a entré dans le temple. Et puis il chavire table. Il courit derrière Cambisio, qui a vendu corbeau l'argent, qui a vendu pigeon, qui a vendu bœuf, etc. Eh bien, physiquement, alors prophétiquement, c'est moi-même, les deux moi-même avant de parler. Ça, c'est parabole là. J'en dis dans Matthieu 13, 35 ans. Donc, c'est de moi-même avant qui s'est templé. Dans Jean 2, verset 13 à 21. Et c'est ça qui fait pis devant, au bras du Saint-Esprit, pour le dire à travers bouche apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, quand nous, c'est templé clair. 1 Corinthiens 3, verset 16. Fais lecture pour moi. Avec 1 Corinthiens 6, verset 19. Clair. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Clair. Donc maintenant, je vais reprendre le texte pour nous. Je vais faire lecture dans le passage pour moi pour nous voir que maison, c'est synonyme temple, maison, c'est synonyme tabernacle. Je vais faire lecture pour moi. Et non, pour être clair que dans Matthieu 21, verset 13, j'ai un peu de monde qui comprend littéralement, mais pas littéral, vrai. Il y a une prophétie là-dedans, il y a un sens caché, il y a une révélation là-dedans. Révélation, c'est moi-même avant. Matthieu 21, on a fait lecture pour moi dans ça. Comme d'habitude, on va aller reprendre le texte pour nous. On a fait lecture pour moi d'abord dans Matthieu 21, verset 13, Marc 11, verset 17, Luc 19, verset 46, Jean 2, verset 13 à 21, 1 Corinthiens 3, verset 16. Et 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, mon bien-aimé frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, si vous n'avez pas de prier, ou vous n'avez pas de jour, vous pas prier, vous conseillez, vous entendez, selon parole ça, priez qu'on y a. Pas jamais lever pour ne pas dire bon Dieu, merci pour nuit là. Puis, vous n'avez jamais été arrivé dans la mi-temps journée, bon midi, 1h, 2h, pour ne pas dire bon Dieu, merci pour mi journée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a possibilité, qui a une grâce, faveur, ça. Il y a des gens qui ont dormi, ils mourent dans la nuit, ils ne pas lever. La baille blague bien propre, ils dorment, ils ne pas lever. Donc, même si ils dorment, ils lever, il faut dire, mon Dieu, merci, parce qu'ils étaient dormi avant, ils réveillaient avant. Ou pas capable de déplacer, quitter Kayou pour parler au petit somme 121, il faut lire somme 121. Est-ce que vous comprenez? Il faut lire somme 121 avant de déplacer, prendre la rue. Parce que là, il a piégé, quel que soit le pays où il a piégé, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Israël, quel que soit le côté où il y a. En République Dominicaine, quel que soit le côté d'un enseignement, ça, ou pas qu'à dire mon prêtre sorti qui était caillou, pour pas dire bon Dieu, ou ap sorti, couvrir ou. Sorti avant, rentrer avant. Faut dire bon Dieu, couvrir, sorti avec, rentrer avec, au nom de Jésus. Ou pas kate de yon rentre la kao, pou pa leve deux mois pour pa balancer mon, pour pa mon Dieu gloire, pour leve tête ou gana le, pour dire mon Dieu merci, parce que tu es sorti avec, ou rentre avec. Parce que tu es mandé pour te sortir avant, en mais l'on rentre, faut dire merci. Ou pas ka pral dormi kounya, pour dire mon Dieu, vous pou monte kaba nou couche comme ça. Non. Faut dire mon Dieu merci pour journée. Merci pour journée, soit béni pour moi, spirituellement, sécuritairement, intellectuellement, alimentairement, financièrement, psychologiquement. Faut dire mon Dieu merci. Et faut dire bon Dieu, m'bral dormi, mou met ou nuit ça, mou met ou kaila, renye nan kaila, que sang ou couvre kaila, que sang ou, que du faux là, feu dévorant là, que l'embrase kaila, qu'elle couvre kaila, qu'elle cache kaila, pas qu'il y a aucun mauvais jour kaila pendant nuit là. Faut dire, faut remettre bon Dieu kaila, faut remettre bon Dieu famille, faut remettre maman, papa, frère, soeur, madame, petite. Ok? C'est comme ça, ou remettre bon Dieu nuit là, vous dites dormi avant, vous dites namou. Sous contrôle li pendant nuit là. Ou faut prier. Ou comprenez, faut prier parce que il y a attaque démoniaque qui a fait derrière, il y a expédition qui a fait derrière, ou pas connait. Donc l'homme demande bon Dieu pour dormir ou et pour dormir avant, et bien qui s'est passé toute opération démoniaque qui pourrait le faire dans mi-temps nuit là entre minuit et 3h du matin. Et bien qu'on y a là, il y a sans effet dans cas là, il y a anathème sur la vie ou. Au nom de Jésus. Yeah. Donc bon Dieu bénis nous, le garder, nous protéger, nous sécuriser nous. C'est enseignement ça nous partager ensemble. Donc s'il y a des questions,
m'attend yo avec grande patience. OK? Donc bon Dieu bénis nous. Et c'est donc courtoisie école de Dieu en Jésus-Christ de l'aéroport. Donc m'a rappelé nous et nous sommes mercredi, jeudi à mercredi, donc jeudi, chaque jeudi nous gagne information et live. Ah non, nous pas dire live, nous pas dire live. Nous gagne information en chair et en os. Nous gagne physiquement dans l'école de Dieu en Jésus-Christ de l'aéroport chaque jeudi 3h 5h gratis. Donc monde qui gagne temps qui va être courant sur groupe là chaque jeudi 3h 5h dans local OEA, Holistic English Academy qui dans Delma Nazon Delma et tout près via Duca. Donc on dit autant là. OK? C'est là dans OEA Holistic English Academy, c'est dans local ça école de Dieu en Jésus-Christ de l'aéroport. Là nous gagne online. Eh bien vous pouvez gagner physiquement. OK? Chaque jeudi, demain si Dieu le veut, nous gagne cours. Donc pour monde qui dans courant qui pas te connaît, tout fait nous connaît demain si Dieu veut, faut nous venir 3h 5h. M'attend nous comme d'habitude. Et puis nous pour une nouvelle session et l'autre lundi qui a commencé lundi matin 10h midi. À partir de lundi pour monde qui pas gagne temps qui est loin ou qui habite loin parce que gagne monde qui veut venir mais qui habite très loin. Chaque lundi 10h pour midi, n'a commencé lundi prochain. Pasteur Séan ou même madame. Monde qui était loin. Donc lundi 10h midi pour monde qui pas gagne temps qui habite loin pas qu'à venir non jeudi 3h 5h là. Bon Dieu bénis nous, gardez nous, protégez nous, sécurisez nous. Passez bonne nuit avec Jésus et puis à la prochaine pour l'autre enseignement. Bye bye.